Ça y est, vous émergez? Allez, maniez-vous de sauter dans vos fringues. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il se passe qu'on déjeune avec votre gendre. Encore? Oh non, ça devient un dada, on a bouffé avec lui hier. Eh ben, on rebouffe avec lui aujourd'hui. Il faut pas perdre une occasion de s'imposer. Non mais vous pouvez pas arrêter le tir avec ça. Non, il est hors de question qu'on nous mette dans l'os. La reine est partie, mais nous on est là, le midi, le soir, l'été, l'hiver et les jours de fête. Ah non, mais moi ça me gonfle de bouffer avec lui. Moi aussi ça me gonfle, le problème n'est pas là. De toute façon, vous auriez voulu quoi? Déjeuner en tête à tête avec moi? Ah ben non, tout de suite. Eh ben levez-vous. Je suis désolée, je me sens pas très bien. Oh, mais c'est normal, ça. Moi, si j'avais foutu un royaume en l'air et que la pérennité d'une civilisation tout entière était remise en question à cause de mes petites coucheries, moi non plus, je me sentirais pas bien. Hein. Ah, mais il y a même plus de tour de chauffe maintenant. Vous démarrez au galop, direct. Oh, bah, avec celle-ci, j'ai de la marge, croyez-moi. Là, je me chauffe la voix. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça, finalement. Je vais peut-être me retirer, non? Restez assise. Si quelqu'un devait se retirer, ce serait certainement pas vous. Ah, ben, vous aussi, vous êtes en forme, hein? Non, écoutez, j'ai rien contre un peu de provocation une fois de temps en temps, mais là, regardez la table. Vous allez peut-être nous soutenir, car rien de déplacé. C'est pas de moi qu'on parle, là. Si, je suis d'accord. Il y a quelque chose de déplacé à cette table, c'est vos tronches. Je vous rappelle que vous y êtes admis en qualité de beaux-parents et qu'il se trouve que votre fille a quitté le domicile conjugal. Ah! Je suis pas là en qualité de beaux-parents, moi. Tiens non. Et en qualité de quoi, je vous prie? Qualité de ministre. Et moi en qualité de femme de ministre? Mais non, mais attendez, je ne bouffe pas avec mes ministres, moi, et encore moins avec leur bonne femme. Et ben, celle-là, c'est en qualité de quoi? Celle-là, c'est en qualité que j'invite qui je veux à ma table, déjà, et ensuite, que ça vous plaise ou non. Il s'agit de ma nouvelle femme. Oh non, non, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est vrai que vous manquez pas de souffle, quand même. Hein. Pourtant, vous étiez là à la cérémonie. Enfin, vous avez fait un échange d'épouses selon une loi d'un autre pays. Hein, faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Une mascarade, voilà ce que c'était. J'ai fait un échange d'épouses selon une loi d'un pays qui est rattaché au mien. Je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que vous faites n'importe quoi, et puis c'est tout. Quand on vous a donné notre fille, vous avez signé des accords. Si vous changez de femme, les accords tiennent plus. Tiens, et lesquels en particulier? Ouais, enfin, faites gaffe à pas trop dire de conneries si c'est possible. Ah, parce que vous croyez peut-être que la politique m'échappe? Je vous rappelle pour mémoire que ça fait 30 ans que je récupère vos catastrophes en coulisses. Sans moi, la Carmélite, vous l'auriez déjà perdu 25 fois. Il faut jamais encore mieux rien dire à ce niveau-là, vaut mieux se taire, sans quoi on encourage. Hein. Oui, enfin, en attendant, si on retire la Carmélite de votre fédération, vous l'aurez bien dans le baba. Oui, nous aussi d'ailleurs. Vous pouvez la fermer ou pas, hein? Moi, c'est comme vous voulez. Je vous rends votre indépendance, mais alors non, demain. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle disait ça sous le coup de la colère. Oh, pas du tout. En tout cas, vous allez la boucler sous le coup de la mienne. C'est comme ça tous les midis. Que la chose vous atteint pas. Elle m'atteint, mais on réagit pas pareil, c'est tout. Mais vous réagissez pas, vous. Et vous, vous réagissez trop. C'est sa nouvelle femme. Eh ben d'accord, c'est sa nouvelle femme que j'en ai à foutre. Il me vire pas de la table ronde, je reste responsable de la défense et je bouffe même à sa table. Je fais mon petit bonhomme de chemin, je lui pique un peu de pognon dans le feutré, puis j'attire pas l'attention. Et la fierté? Oh, la fierté. Si j'avais dû être à cheval là-dessus, je vous aurais pas épousé déjà.